Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 27 juin 2022. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et pour débuter la semaine, globalement du vert sur les indices, que ce soit en Europe ou sur les futurs. Concernant les indices américains, globalement, le rebond se poursuit. On a quand même une semaine assez intense et riche en données économiques, à partir notamment de mercredi, puis jusqu'à la fin de la semaine. Globalement, en fin de semaine, on a quand même clôturé sur une très belle hausse, que ce soit en Europe, même si ça a été un peu plus fébrile, je trouve, notamment pour le DAX, mais Outre-Atlantique, en tout cas, très belle clôture sur les indices américains, que ce soit le Nasdaq, le S&P ou le Dow Jones. Donc porté et bien évidemment par la révision à la baisse des anticipations de taux d'intérêt face aux signes finalement de plus en plus nets de dégradation de la conjoncture économique mondiale et aussi au repli assez marqué des cours des matières premières. Donc on a quand même eu un indicateur, celui du moral des ménages américains qui s'est dégradé encore plus nettement qu'estimé initialement en juin, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Et c'est justement le dernier indicateur économique en date suggérant un ralentissement marqué de la croissance aux États-Unis. Néanmoins, en fin de semaine, on a aussi eu un repli marqué des prix des matières premières, donc ce qui allège justement les craintes et les pressions inflationnistes pour les mois à venir. Donc si on regarde l'indice Core Commodities qui mesure justement les prix de l'énergie, de l'agriculture, des métaux et d'autres matières premières, et bien, il est tombé à son plus bas niveau depuis environ 2 mois. Donc ça, c'est un bon point pour espérer qu'on ait enfin un pic de l'inflation aux États-Unis. Peut-être en Europe, on verra, on est quand même plus impacté par la guerre en Ukraine. Conséquence de cela, eh bien, les investisseurs ont nettement revu à la baisse leur anticipation en matière de taux aux États-Unis. Et selon le baromètre justement FedWatch, eh bien, le pic des taux américains est désormais attendu autour de 3,4% en mars prochain, en 2023, alors qu'il était quand même un peu supérieur à 4% pour juin 2023, il y a encore quelques jours. Donc, ce qui explique justement ce gros rebond qu'on a eu sur les marchés, avec les craintes inflationnistes qui diminuent un peu. Pour autant, la toile de fond, elle, n'a pas changé. Il y a toujours des craintes de récession, on a toujours une inflation qui est élevée, mais léger bol d'air, en tout cas, sur les marchés en fin de semaine, qui permet d'avoir un très beau rebond. Ce matin, en Europe, justement, on est soutenu par l'espoir d'un resserrement monétaire moins agressif de la Réserve fédérale et par les signes d'amélioration aussi de l'épidémie de Covid-19 en Chine. Alors en Chine, ça s'améliore, mais en Europe, notamment en France, ça ne s'améliore pas. Au contraire, on a certains estiment qu'une nouvelle vague est possible. Effectivement, on a de nouveau des cas de contamination et ça repart à la hausse. Pour l'instant, ça n'inquiète pas trop les marchés. C'est vraiment pas autant en Chine, ça inquiète parce que c'est la première puissance économique mondiale. Donc forcément, si de nouveaux lockdowns, ça pourrait renforcer les craintes de ralentissement économique mondial. Autant en France. Bon, pour l'instant, les investisseurs s'en moquent un peu du Covid. C'est plutôt l'inflation et le ralentissement économique et la guerre en Ukraine qui agitent les marchés. Maintenant, dans l'actualité des banques centrales, je vous disais qu'on a une semaine assez riche et intense en données économiques et macro. Justement, les marchés seront attentifs cette semaine aux déclarations en provenance de Sintra au Portugal, où la Banque centrale européenne doit ouvrir en fin de journée son forum annuel de 3 jours. Donc, Christine Lagarde fera son discours à 20h30 et s'exprimera à nouveau mardi matin, tandis que le président de la Fed, Jerome Powell, lui, prendra la parole à partir de 15h mercredi. Donc là,
Ce sont les discours clés à surveiller cette semaine. Sinon, le reste de la semaine verra aussi la publication d'indicateurs clés, dont notamment les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages aux États-Unis jeudi, qui inclut justement l'indice PCE des prêts à la consommation, très suivi par la Fed, donc un indicateur clé, et aussi la première estimation de l'inflation en zone euro en juin, vendredi. Donc vraiment, on débute tranquillement la semaine, mais après une semaine assez riche, que ce soit d'un point de vue des speakers avec les banques centrales ou des données justement éco et macro à venir qui vont renforcer ou pas les craintes autour de l'inflation. Côté macro. Ici, c'est un graphique que vous avez l'habitude de voir, que je présente assez souvent, mais qui est quand même pertinent à chaque fois, tout simplement parce que c'est la capitalisation boursière mondiale. Et on a quand même eu une évaporation de 20 000 milliards depuis le début de l'année. Donc, ce n'est pas rien. Je rappelle que les Fangman, à savoir Netflix, Facebook, Amazon, Nvidia, représentait quasiment 10% de la capitalisation boursière mondiale, puisque là on avait atteint 120 000 et les Fangman avaient atteint, je crois, 10 000 milliards ou 12 000 milliards. Je ne sais plus exactement le point haut, il faudrait que je retrouve le graphique. Donc, on parle vraiment de la capitalisation boursière mondiale et cette valeur représentait déjà 10 000 milliards, ce qui est énorme. Résultat, la tech s'est pris du plomb dans l'aile, très clairement, et on a eu une grosse fuite des capitaux, ce qui explique aussi que l'indice Fangman a drastiquement chuté derrière. Donc là, on est clairement dans un marché baissier, hein, on le voit ici. Cette magnifique hausse, resserrement monétaire, crainte sur l'inflation, risque de récession et des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas pour l'instant. Donc toujours dans une dynamique baissière de moyen long terme sur l'ensemble des indices. Et je ne serais pas surpris, bon bah là on est venu taper un seuil psychologique, le fameux niveau des 100 000 milliards, mais je ne serais pas surpris qu'on revienne finalement si on assiste véritablement à un cycle de normalisation où là on n'était pas du tout dans de la normalisation, on était vraiment dans des injections de liquidités pharaoniques pour redémarrer la machine, mais on n'était pas du tout dans une économie normale. Et donc je n'exclus pas voilà, un retour plutôt vers les anciens plus hauts, les niveaux pré-Covid. Juste avant le Covid, on était au niveau de 90 000 milliards. Pour l'instant, ça reste baissier. On a quand même perdu 20 000 milliards. On a repris 3 000 milliards avec le beau rebond qu'on a eu sur les indices la semaine dernière. Mais force est de constater que pour l'instant, voilà, ça reste baissier. Et tant qu'on n'a pas, je dirais, des signes d'éclaircissement à venir ou moins de messages restrictifs de la part des banquiers centraux, j'estime que les marchés restent encore sous pression, notamment avec les résultats à venir, et qu'une nouvelle jambe de baisse ne serait pas à exclure pour revenir, voilà, tester des niveaux importants et revenir sur les niveaux avant Covid. Ici, vous avez les prévisions de croissance et d'inflation aux États-Unis. Donc, on a le FMI qui a abaissé ses prévisions de croissance aux États-Unis et envisage aussi un rétrécissement de la trajectoire pour éviter la récession. Donc, on s'attend maintenant à ce que le PIB américain augmente finalement de 2,9% en 2022. Donc ça, ce sont les prévisions du FMI, moins que la dernière prévision, qui était quand même de 3,7% en avril, mais au-dessus du consensus de 2,6%. Pour 2023, le FMI a même réduit ses prévisions à 1,7%, avant on était à 2,3%, et ne voit que 0,8% de croissance en 2024. Donc là, ce graphique est assez parlant, je trouve. Donc là, on a déjà eu les prévisions du FMI qui sont tombées là. Maintenant,
On a un FMI qui est un peu plus optimiste que le consensus pour fin 2022 avec 2,9%, mais en fait, ce qui est frappant sur ce graphique, c'est que depuis octobre 2021, on révise à la baisse à chaque fois les prévisions de croissance et on révise à la hausse la trajectoire de l'inflation. Donc là, vraiment, grosse divergence. Hein, l'idéal, ce serait d'avoir une croissance pas exponentielle, mais une courbe ici croissante et ici décroissante. Une inflation qui diminue et une croissance qui grimpe. Car là, attention au gap, et on rentre dans un scénario tout simplement, enfin, j'estime même qu'on est dans un scénario de stagflation. Donc, croissance molle, voire nulle. Inflation élevée. Et si on enchaîne les trimestres consécutifs de baisse en territoire négatif, notamment pour les États-Unis, c'est à partir de deux trimestres consécutifs, on entre en récession. Maintenant, on a un gros débat et des spéculations autour de la récession à venir. Voilà. Récession, oui, c'est pas non plus la fin du monde. Certains estiment quand même que l'économie va entrer en récession. Pourquoi pas? Mais d'autres tablent quand même sur une récession extrêmement violente sur les marchés qui pourrait entraîner derrière de gros dégâts. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans un environnement de stagflation, inflation élevée, croissance molle. Et la stratégie pour les banques centrales, c'est tout simplement d'éviter le risque de récession. Donc soutenir la croissance, éviter qu'on ait une croissance nulle, molle, voire même négative, et surtout faire chuter quand même l'inflation. Même si l'objectif de 2% ne sera clairement pas atteint en 2022. L'objectif de 2% que se fixent les banquiers centraux pourrait être atteint seulement fin 2023. Donc, globalement, attendez-vous quand même à une inflation toujours élevée jusqu'à la fin de l'année. Concernant la partie technique. Alors, le CAC est venu chercher un objectif clé, c'était le fameux comblement de gap. Quasiment venu combler le gap, là on retombe, je suis assez neutre, presque envie d'être vendeur. Mais vous voyez ici on avait notre double creux, notre sortie de canal. Je vais d'abord regarder en données. On tente de reprendre notre oblique. Bon, on a clôturé au-dessus. Bon, je visais pas plus haut que le gap. Hein. Je vous disais, pour moi, c'était de viser le comblement du gap. Il manque pas grand-chose. C'est les 6170 points. Là, ça retombe. C'était l'objectif que je m'étais fixé au mieux. Après, pourquoi pas repartir sur des ventes. En ce début de semaine, je suis plutôt neutre sur les indices. J'ai envie de voir comment vont réagir les opérateurs américains à l'ouverture à 15h30. On a pas mal de données clés à venir, donc pas de précipitation en ce début de semaine. Je note juste que voilà, ici il y avait un objectif à aller chercher, qu'on est quasiment venu le faire. On peut peut-être aller un peu plus haut. Vous voyez, fameuse sortie par le haut de ce canal, derrière ça part, donc j'espère que certains ont pu prendre des bénéfices. Pour l'instant, on pourrait retomber avant d'aller chercher peut-être un peu plus haut, effectivement. Si j'arrive à réduire. L'objectif du fameux double creux. Voilà, si on reporte à peu près tac, le double creux ici, si on reporte l'objectif, ça peut donner bon, 6200, ce serait l'objectif, venir taper la MM200. Là pour moi on a fait un objectif majeur, je visais pourquoi pas un peu plus haut, mais c'est un niveau clé à aller chercher, il a été fait, on est en train de retomber, ça reste haussier, hein. La reprise haussière est toujours là, si on met l'Ichimoku. Bon, on pourrait retomber un peu avant de repartir. Mais voilà, celles et ceux qui sont rentrés ici, mettez votre stop à break-even et j'espère que vous avez pris des bénéfices.
Là, je suis plutôt neutre. J'aime pas la tête de la bougie Daily actuellement. Bon, la séance n'est pas terminée pour autant. J'attends de voir si oui ou non on parvient à s'installer durablement au-dessus des 6150 points. Si oui, pourquoi pas continuer à chercher des achats prudemment? Sinon, plutôt chercher des ventes maintenant qu'on a eu un beau rebond. Voilà. Là, on donnait 4 heures. Vous voyez, on est quand même venu taper un niveau clé. J'aime pas ce qu'on est en train de former ici. On est venu taper MM50, retracement 38,2, on retombe. Et on n'est pas à l'abri, vous voyez, en donner 4 heures d'une étoile du soir. Donc là, si c'est confirmé, je serai vraiment plus prudent pour les jours à venir. Et potentiellement, voilà, un scénario de baisse. Voilà pourquoi j'attends vraiment tranquillement l'arrivée des investisseurs américains cet après-midi pour voir comment ils vont driver ce marché. Le DAX, lui, qui est assez fébrile finalement, qui a du mal à rebondir comparé au CAC, où on a eu une belle hausse finalement vendredi, l'indice a quasiment pris 3%. Là, sur le DAX, c'est un peu plus compliqué. Et la bougie du jour est pas top là. Peine à casser notre Tenkan, ça retombe. Je suis pas fan de, voilà, de cette structure là. On a un trou d'air, à mon avis, on va venir combler le gap ici. Donc là, je m'attends à un repli vers les 13 000, 13 100, très clairement. Et pareil, je reverrai, enfin, je serai plutôt acheteur si on parvient à s'installer au-dessus des 13 340. Là, effectivement, je vous dirais, ok, on peut reprendre des achats et pour viser le comblement du gap. Mais tant qu'on reste sous les 13 340, pour moi le marché reste fébrile et les vendeurs se manifestent assez rapidement finalement. Donc là pareil, plutôt neutre sur l'indice allemand. Autant on a tenu ouais, toujours notre oblique, comme pour le CAC, cette fameuse oblique tient toujours, mais ça manque très clairement de conviction de la part des acheteurs. Donc plutôt neutre. Là, à court terme, je table en fait tout simplement sur le comblement du gap. Voilà, là j'estime qu'on a un trou d'air ici. Donc à mon avis, on va retomber en direction des 13 140 si on doit repartir. Mais voilà, là on a un gap qui n'est pas convaincant. On n'a pas un gap de continuation, c'est pas un gap de rupture non plus, donc gap, mais ça prend pas, donc je verrais bien le marché retomber vers 13 140 dans les heures ou d'ici demain. Donc un objectif à aller chercher à court terme. Le Dow Jones, eh bien l'objectif a été atteint, le comblement du gap ici. Donc c'était vraiment l'objectif à aller chercher suite à notre divergence. Retracement de 50% de la dernière vague de baisse. Voilà, donc là un objectif majeur a été fait. J'espère que vous avez pris vos bénéfices vendredi. Voilà, la hausse est assez folle même puisqu'on a même réussi à break la Kijun. Donc on avait vraiment un gros niveau de résistance ici. Là, on est venu casser la Kijun, on a retracé les 50%. Voyons voir si l'on a encore sous le coude pour aller chercher les 61,8. Et puis derrière, ce serait là. Mais là, pareil, pas. Je reste haussier parce que j'ai pas de signaux qui m'indiquent un retournement. Mais voilà, il y a quand même eu 1 600 points de hausse. Un objectif majeur a été atteint. Ne soyez pas trop gourmand, prenez des bénéfices. On peut peut-être aller un peu plus haut. On verra. Pour l'heure. Voilà, la divergence certes est toujours en place. L'idéal serait de venir combler ce gap-là. Mais maintenant, je me montre un peu plus prudent. J'estime qu'on a fait quand même une très belle hausse. C'est pas le moment de FOMO, très clairement. C'était plutôt dans les creux qu'il fallait payer. C'est pas maintenant en pleine accélération haussière qu'il faut chercher des achats. Donc là, soit on attend un repli. Soit on a gardé un reliquat et on espère aller chercher un peu plus haut pour ensuite vendre. Donc là, je serais intéressé par une vente maintenant. Ouais, vers les 61,8. Vers les 61,8, vers le comblement de ce gap. Donc j'attends de voir un peu. Pour l'instant, le rebond se poursuit. Si on regarde les futurs,
Si on regarde les futurs, okay, il y a cette divergence horaire qui est en train de se former ici, qui pourrait nous inviter à un repli. Petite divergence qui semble. Non, qui... Ouais. Attendez pareil l'ouverture. Si certains ont vu cette divergence pour jouer un repli, attendez l'ouverture US pour voir si elle est confirmée ou pas. Donc la divergence baissière pour les traders intraday qui pourra amener peut-être un petit repli de 400 points à voir. Maintenant, en données 4 heures, on est venu combler le gap ici sur les futurs. La divergence est toujours nickel, toujours en place. Je vais la retracer correctement. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça reste haussier. Peut-être un repli à venir sur la Tenkan avant de repartir, mais pas d'alerte baissière en tout cas sur le Dow Jones. Bon, on va venir chercher 61,8, peut-être un peu plus haut. J'attends de voir si on confirme la cassure qui joue sur le cash et sur le futur ce soir. Si c'est le cas, effectivement, il y a peut-être de la place pour aller chercher un peu plus haut. Voilà. On a un beau niveau de support ici. Ce serait vers les 32 230. Et là, on a une zone qui me plaît bien pour chercher une belle vente derrière. Donc sur ce niveau, venir taper ce seuil. Tac, vous voyez ici, avec notre belle oblique baissière. Juste ici. Si on peut monter d'ici mardi, mercredi, taper l'oblique, la MM50, pour vendre. De nouveau. Donc peut-être qu'on est dans un canal baissier comme celui-là. Bon, ça fait beaucoup, mais hop, voilà. Peut-être un nouveau canal baissier. Donc là, on a une belle zone pour tenter une vente sur les mèches. Tac tac tac, la MM50 qui arrive droit dessus, beau rebond pour tenter de nouveau une vente. Voilà les zones sur le Dow Jones qui m'intéressent cette semaine. Le Forex, c'est super mou comme toujours. La semaine dernière, il n'y avait pas grand-chose. Cette semaine, il n'y a pas grand-chose non plus. On voit qu'on est toujours dans le range 4 heures. Effectivement, on remonte sur des niveaux clés. Là, pour le coup, l'euro, j'ai pas trop envie de le toucher avant les annonces de Powell, Lagarde et les données sur l'inflation à venir jeudi, je crois, et vendredi aussi. Donc là, plutôt neutre sur l'euro. Je vais attendre tranquillement les annonces des banquiers centraux à venir entre ce soir et demain, voir si on a un départ de flux. Mais pour l'heure, ne vous précipitez pas à vouloir. Pourquoi j'ai mon canal qui s'affiche pas en données 4 heures? Donc là en données 4 heures, on est toujours dans le range. Vous voyez, tac. Toujours dans ce range, pas grand-chose à faire. Sauf les traders expérimentés qui sont capables de se protéger en intraday, prendre juste quelques pips, ne pas être trop gourmand, mais pour un plan swing trade, l'idéal ce serait d'avoir un vrai signal, et ce n'est pas le cas pour l'instant, on est toujours dans ce range, ma zone elle est un peu plus haut, ma zone idéale de vente. Si on arrive ici, qu'on a un beau signal, eh bien, on vendra avec un stop loss, si on casse, eh bien, on passera acheteur avec un objectif à 1,0775. Et 1,09 si on parvient là, à ce niveau-là. Mais pour l'heure, voilà, on reste toujours au même stade, dans ce range 4 heures qui ne me plaît pas vraiment. Pas pour envoyer un plan de trading en tout cas. Donc si vous êtes à l'aise pour trader ce range à court terme, allez-y. Sinon, passez votre chemin. Et revenez quand on aura un signal ou un départ de flux. On avait l'euro-yen comme plan.
pour l'instant ne veut pas partir. J'aimais bien la configuration. Là, j'aime moins ce qu'on est en train de faire. On a repris ce niveau-là. Bon, le chandelier restait quand même plutôt bon, je trouve. Notamment donner des lits avec la fameuse étoile du soir ici. Bon, le stop-loss est toujours juste au-dessus et j'attends de voir. Mais là, effectivement, je trouvais qu'on avait un beau range en train de se former, un beau chandelier de retournement. Donc j'attends de voir maintenant si le marché va me donner raison ou pas au cours des prochains jours. Donc le stop-loss reste inchangé. Pour l'instant, légère perte, mais rien n'est fait en tout cas. Faudrait pas qu'on remonte un peu trop sur l'euro-yen, car effectivement ça pourrait invalider ce joli pattern. On avait l'USD-CHF sous surveillance aussi. Très tentant l'USD-CHF de mettre en place un plan à l'achat avec un stop-loss par ici. L'idéal ce serait en dessous, sous cette mèche, dans le sens où j'évoquais avec vous le double top ou le range. Et là, on donnait 4 heures si on affine. J'aime bien ce qu'on est en train de faire. Là, déjà, j'ai bien aimé cette mèche en mode on vient taper tous les stops, chercher la liquidité, chasser tous les stops et on remonte. Donc, vraiment une belle mèche intéressante ici pour venir chercher les stops trop près. Et là, on donnait 4 heures. J'ai un avalement. J'ai un bel avalement sur le bas du support. Qui avale en plus plusieurs petites bougies. Donc là, j'aime beaucoup cette configuration. Voilà pourquoi je ne serais pas contre de mettre en place un plan de trading à l'achat. Donc après, soit ça fait un stop loss assez large ici, soit on diminue le stop loss. Et vous voyez ici, en fait, on avait un niveau. On est venu taper exprès, chasser tous les stops sur ce niveau-là. Voilà. Il était là le niveau. Vous voyez, la mèche basse. Tac, 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 et là, hop, on vient chasser tous les stops et ça repart. Donc, vraiment, le magnifique bear trap habituel du forex, et derrière, le marché repart. Donc, là, soit on met un stop loss ici, soit en mode un peu plus agressif et on le met par ici. Voilà. Au moins sous le plus bas de cette mèche, ça c'est sûr. Donc, à vous de voir. Mais la configuration ici me plaît bien. Donc, soit cette bougie-là qui est venue chasser et repartir. Et l'avalement qu'on vient de valider en données 4 heures. Bon, si vous avez un peu des doutes, attendez l'ouverture américaine à 15h30 pour voir si on a un départ de flux. Si c'est le cas, eh bien, entrer en position et mettre un stop loss ici. Et le TP1, ce serait d'aller chercher ce niveau. 96-90 en TP1. Et 98, même plus en TP2. L'AUD/USD, je suis. On avait mis en place, enfin, on cherchait à rentrer sur ce marché. Effectivement, on a eu ici, on donnait 4 heures. Peut-être que certains l'ont pris, mais on avait ce petit avalement. Mais j'étais pas fan d'envoyer un trade, je vous le disais, un vendredi, juste avant un long week-end. La clôture est plutôt sympa. Mais le ratio n'est pas. C'est pas ce que je préfère. Vous voyez, ici, effectivement, on a eu une belle clôture. Avec une étoile du soir. Une étoile du matin doji. Là, ce qui m'embête un peu, c'est la ratio. Étant donné qu'on doit mettre un stop loss ici. Ça fait un ratio de 1 pour 1. Je suis pas fan. Bon, à vous de voir maintenant. Mais effectivement, j'aime bien le pattern qui est là. D'un autre côté, l'objectif, c'est d'aller chercher le haut de range. Et en entrant ici, en mettant un stop loss là, ça fait un ratio. De 1 pour 1, quasiment. Ouais, un peu plus. Bon, il y a un ratio un peu plus convenable, mais. L'idéal serait de retomber un peu. Bon, à vous de voir, je suis un peu tiraillé sur ce. Autant là, on a quand même une belle sortie de biseau avec cette belle bougie, ça retombe. Pareil, là, plutôt pas envie de me précipiter sur cette paire. J'ai des éléments convaincants, mais
Bon, j'aimerais que les prix soient. Qu'on ait un meilleur risk-reward, tout simplement. Là, je trouve que le risk-reward n'est pas terrible. Donc, à revoir. Je ferai le suivi. À voir, surtout après l'ouverture américaine, un peu comment. Voilà, si on rechute violemment ou pas, ou si ça part. Mais pour l'instant, je trouve que c'est peut-être un peu tôt. Après, libre à vous de sélectionner ce trade ou pas. Le gold. Bon. Toujours rien sur le gold. Clôture hebdo sous les MM50. Ok. Bon, c'est pas un super point maintenant. On est toujours dans le range 4 heures au sein d'un canal baissier et c'est ça qu'il faut regarder. Et on est confronté à un lot d'obstacles. Voilà. Donc là, strictement rien à faire. MM200, Kijun, MM50, bas de nuage, Kijun mensuel au-dessus de la tête, bas de ca haut de canal baissier, bref, trop d'obstacles pour prendre ce risque-là d'être à l'achat. Donc là, c'est vraiment des risques inutiles à ne pas prendre. Le plan n'a pas changé, ce serait un retour sur la borne de base pour avoir une marge de manœuvre et se protéger rapidement si on a un départ de flux haussier. Pour l'instant, on est au milieu du désert, donc rien à faire toujours sur le gold. Soit on break tout ça à la hausse, on se libère, bon, on a une belle bougie flux impulsive et haussière, auquel cas, ok, pourquoi pas pour rentrer. Sinon, on attend patiemment et tranquillement un retour toujours vers les 1807. L'idéal pour moi reste les 1800, 1795, 1800. Mais sinon, depuis un mois, rien. C'est la lessiveuse. Pas grand-chose. On se stabilise. Donc peut-être que cette semaine, avec des données un peu sur l'indice des prêts à la consommation et des discours de banquiers centraux, peut-être qu'on aura un départ de flux, qui sait. Mais pour l'heure, je reste à l'écart puisqu'il n'y a aucune opportunité dessus. Le Brent, on a eu une belle bougie haussière en fin de semaine, une sortie de triangle. Là, durant la nuit, ou non, vendredi plutôt. Toujours neutre, très honnêtement, là c'est le milieu de range. Bien évidemment, je repasserai haussier si on casse ma Kijun. Ça voudra dire qu'on aura fait une rotation partielle à l'intérieur de ce range et donc forte probabilité d'aller chercher la borne haute à nouveau. Donc ça, c'est le point à noter. Là, je vais enlever l'Ichimoku, il ne me sert à rien. De toute façon, on est dans un range. Là, voilà. On est sous résistance. Donc effectivement, si on repasse au-dessus, risque de nouvelles jambes de hausse. Là, l'élément un peu dérangeant, effectivement, qui renforce le flux acheteur, c'est le fait qu'on ait cassé la MM50. Si derrière on rebrise à la hausse les 114,55, effectivement, ça fait une rotation partielle, et par conséquent, derrière, on ne peut pas exclure un retour sur la borne haute. Bon. Maintenant, en données 4 heures, on est sur un beau niveau, et c'est là où tout va se jouer. Donc déjà, on est venu break l'oblique. Donc deux scénarios pour moi sur ce niveau-là. Soit on a une bougie baissière, auquel cas mise en place d'un plan vendeur avec un stop loss juste au-dessus, ici, au-dessus de, voilà, au-dessus de ce sommet. Là, notre petite ouïe, c'est en mode escalier, tac, tac, tac. Donc là, stop loss au-dessus, ici, si on a une belle bougie baissière. Un avalement pour viser 105,33. Et si ça casse à la hausse, on verra ça en temps et en heure. Si on rentre ou pas. Et là, on revient sur un niveau, ça m'intéresse pour revendre éventuellement. Si signal, si là on empile les bougies vertes, on casse, bien évidemment, ce plan est avorté. Et là, effectivement. C'est cette petite sortie de triangle qu'on a eue durant la nuit. Tac. Ouais, vendredi.
consolider, tac, pullback, ça repart. Si on reporte l'objectif théorique, ça peut nous amener un peu plus haut. Donc sortie de triangle par le haut ici, plutôt neutre, intéressé par un plan à la vente, mais sur signal baissier uniquement. Si échec sur résistance et même 50. Si ce n'est pas le cas, on laisse tomber ce plan vendeur. Le light, vous voyez, on a la même chose ici, hein, le petit triangle de consolidation à plat, enfin de stabilisation, ça repart à la hausse, on est bloqué sur les 108,35, on a atteint l'objectif majeur de notre fameux biseau descendant, objectif majeur atteint, derrière rebond. Maintenant, là effectivement, vendredi, on a eu un bel avalement, donc c'est ça qui m'embête. On a fait avec un gap baissier en plus, donc on a quand même un bel avalement. On pourrait même associer ça à presque un. Bon, normalement, pour que ce soit une étoile du matin doji, il faut que ce soit un gap baissier. Là, le gap haussier, ça peut ressembler à l'étoile du matin doji, mais bon, plutôt envie de mettre ça dans la catégorie avalement. Et comme sur le Brent, on bute sur les 108,35. Donc je préfère la configuration qu'on a sur le Brent, mais je me montre assez prudent maintenant. Dans le sens où on aurait juste un rebond ici, je serais plus serein pour mettre en place une vente. Là, le fait qu'on ait eu un changement de retournement ici, voilà pourquoi je vous dis, attendez vraiment un signal baissier pour rentrer à la vente si vous êtes vendeur. Car si on break ce niveau, à mon avis, invalidation, les acheteurs reprennent la main et on peut remonter un peu plus haut. Donc, patience à suivre tranquillement cette semaine. Avec, en tout cas, attendez d'abord l'arrivée des investisseurs américains. Le Bitcoin, je reste haussier, je garde le cap des 24 000. Le plan n'a pas changé, la clôture hebdo est nulle, très clairement. On est sur un short day, bon, alors on va plutôt appeler ça un short weekly. Une bougie qui n'a pas de corps, qui a une petite mèche haute, basse. Et qui montre tout simplement l'indécision de la part des opérateurs. Donc ici, pas grand-chose à faire. Le plan est en place, je vise un rebond technique, tout simplement. Ça reste mou. On se stabilise, mais ça manque de conviction, comme d'habitude. Néanmoins, certains s'accrochent toujours à l'épaule tête épaule inversée. C'est pas la plus belle, je l'ai noté. Moi, ce qui m'intéresse pour le coup un peu plus, c'est quand même la divergence. Mais j'ai quand même vu circuler pas mal d'épaules tête épaule inversées sur les réseaux sociaux, donc je l'ai noté. Elle est validée. L'objectif théorique est quand même assez haut, je crois. Par conséquent, je serais peut-être pas aussi optimiste que ça sur l'objectif. Faites voir. Oh, quoique. C'est pas déconnant du tout, en fait. C'est les 24 000. Bon, moi je visais 24 000, ça correspond aussi au niveau de 50%. Donc, retracement de 50% de la dernière vague de baisse de Fibo. Donc, non, finalement, l'objectif théorique est convenable. Je le voyais un peu plus haut. Bon, ça tient. J'aime bien la MM50 ici qui remonte, pour le coup, qui va permettre de soutenir les prix. Alors là, la baisse, à plat, elle ne voit rien du tout, la MM50. Et dès qu'elle remonte, ça devient intéressant pour accompagner la reprise haussière. Donc là, le plan reste le même. L'idéal, c'est d'aller chercher les 24 000. Voilà, 24 000, 24 600 au mieux. Jouer ce fameux rebond et cette divergence. Pour l'instant, la divergence n'est pas invalidée. Il ne faudrait pas qu'on repasse sous les 50. Par contre, je serais un peu. Voilà, je pense qu'il faudra déboucler sa position. Logiquement, celles et ceux qui sont rentrés sur la divergence ont un point d'entrée ici. Alors, peut-être pas déboucler la position, parce que si vous êtes rentré sur la divergence, elle a été validée ici, sur cette bougie. Donc, votre stop loss a été mis en dessous. Je l'ai supprimé. Hop, normalement, le stop loss était ici. Là, c'est stop loss break-even pour tout le monde. Maintenant. Ici, on casse les MM50, je pense qu'il faudra déboucler la position. Ou soit rester en mode espoir avec le stop loss à break-even, pourquoi pas. Mais là, tout le monde doit remettre son stop loss à break-even et laisser le marché décider.
S'il a la force d'aller chercher les 24 000, il ira chercher les 24 000. Si derrière on casse mon niveau des 23,6 et là on me refait une épaule, tête et épaule et on repasse sous la M50, je laisse tomber ce plan, on aura une invalidation, on va retomber en direction des 20 000. L'Ethereum. Bon, on n'a pas d'épaule, tête, épaule, là, très clairement inversé. Mais même constat, je suis plutôt un partisan de la divergence haussière. Voilà, qui pourrait peut-être permettre au cours de reprendre un peu de hauteur. Faut qu'on break les 1240. L'objectif, c'est les 1412. Ça reste toujours les 1410. On va arrondir. Mais c'est ce niveau-là. Donc là, pareil, en données weekly, la bougie est pas terrible. On est quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a eu 11 semaines de baisse consécutive. C'est un record. Je pense que c'est aussi pareil pour le BTC. On n'en a pas eu 11, mais c'est un record pour le BTC. Là, c'est clairement un record. Vous pouvez regarder en 2018. Même ici, là, on avait des petites bougies vertes à un certain moment. Là, vraiment en ligne droite, 11 semaines de baisse consécutive, ce qui montre quand même à quel point le marché est lourd. L'ambiance morose, ça c'est sûr, mais vraiment, on sent que les derniers scandales ont extrêmement fragilisé ce marché. Là, ce qui serait bon pour la suite, c'est de tenir cette MM50, MM200 à la hausse et aller chercher les 1412. 1412, c'est le niveau clé, c'est les 50% comme sur le BTC. Donc, la zone de polarité. Ici, voilà, 1412, et si on casse, c'est même 200. Donc là, je reste haussier, hein, on est dans un canal avec une ligne horizontale à 1000$. Ça tient. Maintenant, faut breaker ce petit niveau de résistance intermédiaire pour prendre son premier TP à 1412. Derrière, on verra si le marché a suffisamment de force pour aller chercher la MM50 vers 1680, 1670 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.